tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment faire un pliage avec une serviette en papier en forme de cœur. Donc bien évidemment, ça aurait fait mieux d'avoir des serviettes en papier rouge, mais moi, j'ai que des blanches. Donc c'est une bonne idée de déco pour un mariage, je trouve. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc là, il est fait, je vais l'enlever et je vais le refaire avec vous. Donc voilà la serviette en papier. Donc là, en même temps, je suis désolée, je berce ma petite puce parce qu'elle est à côté de moi dans son transat. Donc, vous ouvrez la serviette et là, vous allez plier comme ceci en deux. Voilà. Et là, je ne sais pas si on pourra bien voir parce que comme je le fais, là, je vais essayer de bien vous le montrer. Donc là, vous avez le milieu ici et vous allez venir le plier comme ceci. Et pareil, donc de l'autre côté. Donc voilà, jusque là, vous me pliez bien. Ensuite, vous le tournez. Donc voilà, vous en arrivez là. Vous le tournez. Et là, vous allez faire deux petites cornes. Donc vous prenez bien la serviette. Donc moi, je vous montre vite fait parce que comme elle a déjà été pliée, là, vous prenez les bords. Donc moi, ma serviette, elle ne tient pas super bien. Mais si vous prenez des serviettes un peu plus rigides, je pense que ça sera mieux. Et vous faites pareil donc dans l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et ici, comme ça. Voilà, vous rabattez les bords de chaque côté en fait, et de là vous retournez et vous mettez ça dans votre assiette de présentation. Voilà pour ce petit tuto assez rapide à faire. J'espère que ça vous aura plu. Je trouve que c'est une bonne idée de déco pour un mariage. Vous présentez par exemple une assiette d'une certaine couleur avec une serviette rouge. Donc moi, je l'ai faite en blanche parce que j'avais que des serviettes blanches. Mais si vous pouvez le faire avec des serviettes rouges, ça fera tout aussi joli. Donc voilà pour mon petit tuto. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.